Et bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Maynard pour une petite vidéo blabla. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Ça va déchirer puisqu'on va étudier ensemble les créatures, les 10 créatures les plus pétées du jeu et les 10 créatures les plus merdiques du jeu, à contrario. Parce qu'il faut tout pour faire une game et il y a vraiment des cartes qui sont pas égales à toutes, aux autres. Et moi j'ai pas envie que vous vous tapiez les cartes pourries, le temps de les essayer, le temps de vous apercevoir qu'elles sont moisies, ça peut vraiment vous pourrir un deck pendant vachement longtemps. Donc je fais cette petite vidéo qui sera courte. On va essayer de pas trop traîner en longueur. Ou alors je la ferai en deux parties, je sais pas encore. Je vais voir comment ça se passe. Et comme ça vous éviterez mes amis les cartes vraiment pas terribles. Et vous pourriez au contraire privilégier les cartes les plus pétées. Parce qu'il y a vraiment des cartes qui valent quasiment le double des autres pour le même coup en mana. Donc là on peut voir, hop, on attaque le jeu. Mes petites quêtes actuelles, très bien, on est content d'avoir vu ça. Et roule ma poule. Ouais, j'ai 3 quêtes actuelles en ce moment. Je vous avouerai que j'ai un peu beaucoup parce que hier j'ai pas joué de la journée. Parce que j'ai une IRL très chargée, j'ai eu plein de trucs à faire, donc j'ai pas pu m'occuper de geeker en fait. Donc voilà. Pour vous montrer ça, on va aller dans mon petit deck paladin à moi, hein, mon petit deck à moi perso. Donc voilà, ça maintenant au cas où ça vous intéresse, tant qu'on est au passage, c'est le deck que je joue en main, hein, donc on peut voir Tyrion, tout ça, Marche au Soleil, Illidan, Commandant d'Argent, Brissor, enfin, ça envoie du pâté. Donc c'est bien, ça va me permettre de vous parler de la première créature dont je voulais vous parler. On va commencer avec les créatures les plus pétées, les plus puissantes, mes amis. Et qu'est-ce qu'on a en premier, en première place, hein, la meilleure, une des meilleures créatures du jeu? Eh bien c'est tout simplement notre ami le Brissor, qui est vraiment très fort. Le Brissor en fait coûte 4. C'est une 4-3, donc c'est très excellent. Le fait qu'elle n'ait pas 4 PV n'est pas très important, puisqu'en fait, la plupart du temps, bon, elle pourrait être trade contre une carte à 3, comme par exemple le Grizzly Fairpoil qui est 3-3, mais en général, vous arriverez, vous, à la trade contre une carte à 4. La plupart du temps, en fait, en pratique, c'est pas très gênant, parce qu'on profite de l'aspect de son silence. Alors, le silence, c'est vraiment un gros must-have. Là, en préparation, j'ai une vidéo qui va concerner les créations de base d'un deck, enfin la création avancée d'un deck plutôt, puisque j'ai déjà fait la version de base, où je vous explique quelle proportion avoir de chaque chose et tout. Et je peux vous dire que si vous voulez jouer sérieusement, avoir un minimum de 2 silences par deck, c'est obligatoire. Il faut avoir 2 silences. Et là, vous avez le Brissor qui est très fort. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait dans un deck normal, on met 2 Brissor. C'est vraiment une des pierres angulaires du deck. Enfin, une des grosses bases, quoi. Le truc que tout le monde fait, tous les joueurs un peu pro, un peu HL font. Le Brissor vraiment obligatoire, le silence c'est très important. Je rappelle qu'avec un silence on peut dispel, on peut enlever par contre, pardon, comment ça s'appelle ? La provocation, on peut enlever tout ce qui est, je sais pas, les malédictions à la con, si on vous met une affliction, on peut enlever les boucliers divins, enfin, on peut dispel nos propres créatures également, enfin, on peut vraiment faire plein de trucs, c'est vraiment très pratique. La plupart du temps, votre Brissor, quand vous allez le poser, il y aura toujours un truc à dispel qui fera chier l'adversaire. On peut également dispel les créatures quand elles meurent ont un râle d'agonie et qui donne un bonus à l'adversaire. Donc on peut dispel ça aussi. Enfin, vraiment il y a toujours un truc à faire avec un dispel. Donc pour une créature à 4 qui a 4 d'attaque et 3 de PV, avoir toujours quelque chose à faire, un cri de guerre qui sera toujours utile, c'est très intéressant. Alors la deuxième créature que je voulais vous proposer, vous montrer, alors elles sont pas dans l'ordre, hein. Je vous les propose pas dans un ordre de la plus pétée à la moins pétée, c'est pas ça. Les 10 créatures que je vais vous présenter, c'est toutes des must have mes amis, elles sont très fortes, c'est vraiment très important, c'est des très bonnes cartes. Ici le nain sombre fer, une excellente 4-4-4, parce qu'elle coûte pas très cher, elle a un coût moyen, c'est une 4-4 et elle a un cri de guerre qui est énorme, plus 2 attaques à un serviteur, c'est vraiment très fort, c'est vraiment un très bon cri de guerre que vous avez là, ça vous fait une excellente carte à 4, pardon, c'est difficile de dire ça. Alors ici le Yeti Norrois, une carte qui est également très intéressante, hein, qui est connue, hein, parmi tous les joueurs, haut niveau, tout le monde sait que le Yeti Norrois c'est très bien, on l'utilise régulièrement en arène notamment, mais elle peut s'utiliser d'une très bonne façon également pendant le jeu normal, pendant les parties rapides. Pourquoi est-ce qu'elle est très bonne? Eh bien parce que c'est une 4-5 mes amis. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir avec elle vous fighter contre des créatures souvent plus puissantes ou équivalentes et survivre. Comme vous pouvez le voir, elle a 5 PV. Ce qui fait que si vous vous battez contre un commissaire priseur, vous le prenez et vous survivez. Si vous le mettez dans un commando, vous le prenez, vous survivez. Si vous le mettez dans un compagnon, vous survivez. Si vous le mettez dans un sombre fer, vous survivez.
Enfin voilà, si vous le mettez dans un Drake Azure, vous survivez. Si vous le mettez là-dedans, bon là vous y passez, faut pas déconner. Dans une lame nuit, vous survivez. Enfin, je vais pas toutes vous les faire, mais vous le voyez, c'est une carte qui, grâce à ce petit point de pool PV en plus, fait vraiment une immense différence, mes amis. Et dites-vous bien que ce genre de petits détails qui peut peut-être sembler futile quand on l'explique, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un deck qui marche et un deck qui ne marche pas. C'est vraiment un point de PV par-ci par-là, une petite différence, une carte qui domine un peu plus, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. On a tendance à se dire que c'est pas grave, c'est comme de temps en temps, voilà, on sort une grosse créature, on se prend un chip dessus, on se dit bon, c'est pas grave, la game se fait pas là-dessus. Mais en fait, si, si, régulièrement, les games se font à ce genre de petits détails, hein, très régulièrement. Donc ça, on lâche rien et on retient bien que le Yeti Norwa est très très important et très puissant grâce à cet unique point de PV en plus. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Notre ami ici, le champion de la main d'argent. Je vous présente beaucoup de créatures chères, mais évidemment, après, on va voir un petit peu des créatures un petit peu plus cheap. Le champion de la main d'argent, qui est une excellente carte, pas du tout rare, hein, qui est en qualité normale, et qui est très intéressante puisqu'elle invoque une 2-2. C'est une créature à 5 qui fait 4-4. Et bien, si on ajoutait en fait son... Tout simplement, hein, pour calculer sa rentabilité, vous faites pas chier. Vous calculez, vous comptez, vous... Pardon, oh là là. Vous accumulez, vous ajoutez la valeur de son invocation par le cri de guerre à sa propre pool dégâts et sa propre pool PV. Vous obtenez une 6-6 qui coûte 5. Donc c'est très intéressant, hein, c'est l'équivalent d'une carte à 6. Donc vous gagnez un point de mana, elle est vraiment très très bien cette carte. Champion de la main d'argent, vraiment je le recommande de tout cœur. Très intéressant. Alors maintenant, un gros must-have, hein, le maître bouclier de Senjin, ça, il n'y a pas photo si vous n'étiez pas encore au courant, c'est le meilleur tank du jeu. Pourquoi? Parce qu'il a une pool PV à 5, donc c'est un chiffre qui est très difficile de s'en séparer. La plupart des unités ont des dégâts, comme vous pouvez le voir ici, hein, 4, 2, 2, 3, on va remonter un peu dans les cartes un peu plus HL, mais voyez ici, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, vous voyez 4, 4, 4, 3, 4, vous voyez souvent, souvent, beaucoup, beaucoup de poules PV à 4. Donc dès que vous avez une poule PV à 5, c'est comme pour le Yeti Norwin qu'on a présenté juste avant, vous avez une poule PV à 5, et bien mes amis, vous êtes très très bien parce que vous êtes juste au-dessus de ce qu'il faut, donc c'est très très dur de s'en débarrasser. Donc le notre ami le maître bouclier de Senjin, qui est une très bonne carte tank, la meilleure carte tank du jeu actuellement, en comptant son coût évidemment et en comptant sa rareté, hein. Si on la compare à Ford Ring par exemple, qui est un légendaire paladin, évidemment il est moins bon en tank, mais il est très très fort quand même. Donc pour sa qualité de normal, c'est le meilleur tank du jeu, il a sa place dans tous les decks. Je vais baisser un petit peu le son du jeu parce qu'il me semble que là ça hurle un peu quand même, hein. Hop hop hop. C'est dommage, on peut pas régler juste les animations. On ne peut régler que le son général. Alors, maintenant que je vous ai présenté celui-ci, de qui est-ce que je voulais vous parler un petit peu? Je voulais vous parler de notre ami... le ancien maître brasseur. Donc, l'ancien maître brasseur, c'est pour moi la carte qui va fermer mon... Qui va fermer mon combo, mon... Mon top 10, je vais pas terminer sur là-dessus, je vous la présente maintenant, mais c'est celle à laquelle j'ai choisi en dernière, parce que moi je l'adore personnellement, mais je suis pas sûr en fait que tout le monde l'aimera autant que moi. Je pense que là-dessus je dois pas me laisser embrouiller par ma propre vision personnelle. Je pense que l'ancien maître brasseur est très intéressant, pourquoi? Parce qu'elle coûte 4, c'est une 5-4, donc c'est très intéressant, hein, 5 de pool dégâts, c'est très très fort, et elle a un cri de guerre qui est génial, je trouve, renvoie un serviteur allié du champ de bataille et le place dans votre main. C'est très très bon parce que ça peut vous permettre de rappeler une carte qui a un cri de guerre intéressant et vraiment de faire des combos, et ça surprend totalement l'adversaire. Et en plus, franchement, quand vous le jouez, c'est carrément la classe, quoi. Vous êtes là, hop, vous rappelez une créature qui soigne, hop, vous la reposez, clac, combo, vous envoyez un petit heal sur une de vos créatures de cette façon avec la créature que vous avez soignée, paf, vous pouvez en prendre une à lui qui s'attendait pas du tout à ce que vous puissiez la prendre parce que vous aviez pas assez de pool PV ou quoi que ce soit, et boum, vous la prenez, là vous survivez. Enfin, il y a vraiment des combos de la mort à faire. Et si vous jouez rogue, c'est absolument obligatoire, hein. Si vous jouez rogue, obligatoire, vous le balancez, tac, sur votre agent du S17, hop, vous le rappelez, vous le reposez, il est en combo puisque vous venez de le rappeler via cette carte que vous avez posée avant, et vous pouvez de nouveau rebalancer le plus de dégâts, c'est très 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 fort. L'ancien maître brasseur, vraiment très très bon, que moi j'adore. Après, tout le monde n'aura pas envie de jouer combo, puisque ça c'est une carte qui vous impose un combo même avec les autres races. Tout le monde n'a pas forcément la vision, ni l'envie, ni le goût pour jouer combo, mais si un tant soit peu faire des petits moves un peu sexy dans le jeu, ça vous intéresse, lancer un maître brasseur est vraiment très très fort. Hein. Et en dehors du move sexy et du style que ça vous donne pour gonfler votre upin virtuel, c'est aussi très très bien parce que c'est vraiment efficace en dehors du style. Alors le Worgen déchaîné, une excellente carte à 3. Notez une chose avec, très important, c'est une 3-3-3, hein, donc rien de bien méchant de ce côté-là, c'est normal. Accès de rage, furie des vents, plus 1 d'attaque, c'est là que ça devient très intéressant, puisque vous allez pouvoir
la faire attaquer contre une petite carte pour prendre par exemple une petite, une merde. Et pensez bien une chose, c'est que la furie des vents fonctionne immédiatement. C'est-à-dire que si le tour même vous attaquez, votre créature n'est pas enragée, n'a pas son accélérage, vous attaquez une fois, normalement vous ne pouvez attaquer qu'une fois. Si elle prend des dégâts de riposte à ce moment-là, elle passera en furie des vents. Ce qui veut dire que vous pourrez immédiatement attaquer une deuxième fois et ne devrez pas attendre le tour prochain pour attaquer deux fois. Donc c'est sur cette petite différence que cette carte est très intéressante, puisque c'est une carte à 3 qui va nous souvent nous permettre de qu'on va souvent pouvoir trade contre une carte à 3 et une carte moins chère. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque vous allez l'utiliser une fois contre une carte moins chère qui va mourir évidemment, qui va prendre par exemple 2 points de sa pool PV, il restera 1, elle va enrager cette carte, monter à 4 de dégâts. Et derrière, bah, comme vous pouvez immédiatement réattaquer, vous pourrez vous faire une créature à 3, voire même à 4, parce que beaucoup de créatures à 4, où il y a beaucoup de créatures à 4 de mana qui ont 4 de pool PV. Donc vraiment, vous pouvez faire un carnage au niveau rentabilité, Warrior déchaîné. Vous pouvez prendre une carte à 2 et une carte à 4 si vous arrivez à bien les poser. Donc ça vous fait 6 de rentabilité pour une carte à 3. C'est très intéressant. Alors, ici le patriarche d'or argenté qui figure en bonne place de ma catégorie, de mon top 10 créatures merdiques. Alors d'ailleurs le Longvoyant Tralmar également, le Grizzly Fer-Poil également, le Gaëtorian aussi. Alors celle-là je l'ai pas notée dans mon top 10, mais je tiens à vous en parler quand même. Je l'ai retirée de justesse parce qu'elle ne va pas dans tous les decks. La Ghoul Mangeuse de Chair qui est vraiment pas très rare, donc facile à avoir. Très 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 intéressant également hein, quand un serviteur meurt gagne plus 1 d'attaque. Je l'ai pas mise parce que je pense qu'elle n'est valable que pour certains decks. Elle est valable pour les decks à minions. Donc les héros qui peuvent invoquer des créatures comme le paladin, le chaman. C'est vraiment très intéressant avec eux parce que ça vous fait des minions à sacrifier pour gonfler votre ghoul. Mais sinon, si vous jouez late game ou middle game normal, tous les jeux en dehors du jeu rush et du jeu minion, c'est vraiment pas forcément ouf parce que c'est une 2-3 et qu'il y a mieux quoi. En fait, celui que je viens de vous présenter avant est beaucoup mieux si vous n'êtes pas sûr de pouvoir profiter à fond des bonus. Surtout que notez bien que les bonus n'augmentent que sa pool dégâts, sa pool PV reste la même. Donc, elle est quand même assez fragile mine de rien. Le golem des moissons par contre mes amis, une excellente carte vraiment très très forte. Une carte à 3 tout simplement qui vaut l'équivalent d'une carte à 4. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose que pour le champion de la main d'argent. Vous accumulez la valeur de son invocation à sa propre valeur à elle, vous obtenez une 4-4 et en fait une 4-4, une 4-4, oh là là, une 4-4. 4, voilà c'est bon, c'est exactement ce qu'on attend d'une créature à 4 de mana. Donc voilà, comme d'habitude, hein, quand c'est un râle d'agonie ou un cri de guerre invocation en général, ça équivaut à la catégorie de cartes supérieures. Donc ce sont des cartes très très bonnes. Donc le golem des moissons, très 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 intéressant. Très très intéressant, excusez-moi. Le clerc du soleil brisé, pour moi une des meilleures cartes à 3 du jeu, hein, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est d'abord une 3-3-3, donc c'est tout à fait dans la norme, c'est très bien, très intéressant. Et elle nous permet quoi? Elle a un cri de guerre qui confère 1-1 à une créature alliée. Eh bien mes amis, c'est très très important, ça peut vous permettre de vous sauver une créature. D'abord, c'est comme un sort, ça surprend l'adversaire, il ne s'y attendra pas, ça faussera les calculs de l'adversaire. Ça peut vous permettre de survivre à une claque, ça peut vous permettre de prendre tout juste une unité adverse, ça peut vous permettre mais tellement de trucs, enfin c'est vraiment très intéressant ce cri de guerre sur une créature à 3, je le répète, une créature à 3, donc vraiment pas cher, qui a un aussi bon cri de guerre, il faut pas s'en passer, hein. Vraiment c'est un gros must-have qu'on a là, ne passez pas à côté. Alors qu'est-ce que je voudrais vous montrer encore? Je voudrais vous montrer notre ami le Berserker Amani, qui je crois que c'est une créature à 3. Ah non, c'est une créature à 2. J'utilise pas souvent, mais c'est une très bonne créature. Donc évidemment, l'intérêt du Berserker Amani, c'est qu'il a une pool PV tout à fait correcte, hein, 3, et qui tape à 2, donc il a un bon dégât pour une créature à 2. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le trade contre une créature de merde de l'adversaire. Comme par exemple, bah voilà, un Chasse-Marée Murloc, une chouette bec de fer. Cette tête de Nolak, Rossilis des rivières, ce Géomancien Cobalt qui est d'ailleurs pas terrible comme carte, Amasseur de butin par exemple, enfin, il y a vraiment moyen de le trade assez facilement contre une créature un peu plus faible qui a une moins forte pool dégâts sans mourir. Et derrière bah, vous prenez un accélérage à 5, donc c'est très vous prenez un accélérage à 3, ce qui vous fait monter à 5 de pool dégâts. Et ça c'est très très bon puisque ça veut dire que derrière cette créature, vous pouvez soit la mettre sur le héros adverse et lui faire des points s'il n'arrive pas à vous la contrôler rapidement, soit la trade contre une créature d'un coût beaucoup plus élevé, comme une quand vous tapez à 5, vous pouvez trade contre une 4 ou voire même contre une créature à 5. Donc très intéressant si vous la gardez en vie. Et ce petit avantage est très très bon pour un autre aspect. Votre adversaire vous laissera jamais traîner une créature comme ça jusqu'au tour 5, hein, rêvez pas. Mais c'est très intéressant parce que ça forcera l'adversaire à cramer des contrôles sur une créature en début de partie. Et ça c'est très 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 bon pour vous. Faites épuiser les sorts de votre adversaire et la victoire est dans votre poche.
Alors ensuite, eh bien écoutez mes amis, c'est déjà pas mal. Je viens de regarder ma petite liste parce que vous vous doutez bien, en tant que grand professionnel, j'avais préparé une petite liste bien sympathique. Et donc, bah voilà, je pense qu'on en arrive à la fin. Je vous ai montré les 10 premières créatures les plus puissantes du jeu selon moi, celles qui vraiment vraiment valent le coup, qui sont très très intéressantes. Je pense que je vais garder pour une seconde partie les 10 créatures les plus pourries qui vous arriveront demain. Donc, avec nos petits loulous là qui vont arriver en assez bonne position. Moi, j'ai déjà préparé ma liste et c'est bien, c'est bien. Moi-même, je vous avouerai que j'ai limite appris des choses en faisant cette petite vidéo, puisque comme ça, j'ai vraiment fait un point sur toutes les créatures du jeu. Et il y a des créatures, quand vous prenez le temps, vraiment, quand vous prenez bien le temps, je sais que c'est un peu long, mais quand vous prenez le temps de comparer les statistiques de chacune des créatures, vous comprenez très rapidement qu'il y a des créatures qui vraiment ne valent pas le coup, quoi. Je veux dire, regardez par exemple, je vous donne un exemple, mais regardez cette carte, l'élémentaire de givre. On pourrait croire que c'est intéressant parce que cri de guerre, gèle un personnage, mais vous avez de l'autre côté le marche-soleil qui a provocation, bouclier divin. Provocation, ça se paye, hein, c'est pas gratuit, hein. Normalement, le coût doit être répercuté dans la poule dégâts et dans la poule PV, quoi. Et bouclier divin, ça doit se surpayer, quoi. Bouclier divin, c'est tellement un avantage énorme que ça doit se payer, mes amis, hein. Et bien là vous avez une 5-5 pour 6, là pour 6 vous avez une 4-5 à provocation bouclier divin. Enfin vous vous rendez bien compte qu'il y a un monde entre les deux. Et ça il suffit de passer un petit peu de temps à regarder les cartes pour s'en apercevoir. Et c'est vraiment très intéressant, moi-même j'ai appris beaucoup beaucoup de choses en vous faisant cette vidéo, en vous préparant ces deux vidéos. Donc voilà. Demain, je vous promets, mes amis, je vous fais la vidéo avec les 10 créatures les plus pourries. Ou alors, je vous la ferai peut-être pas demain, je sais pas. Peut-être que demain, je ferai une vidéo de gameplay avec un tutoriel pour une des races, pour un des héros. Et que j'espacerai comme ça un petit peu les vidéos blabla. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Dites-moi tout, mes amis, et on avisera en fonction. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.